Sur un scooter 4 temps, il est essentiel de vérifier régulièrement le niveau d'huile pour éviter d'endommager irrémédiablement votre moteur. Dans un premier temps, faites tourner le moteur une minute au ralenti pour charger le circuit de lubrification, puis attendre quelques minutes que le moteur refroidisse. L'opération doit donc s'effectuer moteur à froid sur la béquille centrale et sur une surface plane pour éviter les erreurs de lecture de niveau. Commencez par dévisser la tige de contrôle située sur le carter moteur et nettoyez-la avec un chiffon propre afin d'optimiser la mesure. Revissez alors l'ensemble à fond, puis retirez de nouveau la tige pour procéder à la lecture. Le niveau ne doit pas être inférieur à la moitié entre la graduation minimum et maximum indiquée sur la tige de contrôle, l'idéal étant d'atteindre un niveau situé juste en dessous du repère maximum. En cas de manque de lubrifiant, rajoutez l'huile préconisée dans votre manuel d'utilisation en prenant toujours soin de ne jamais dépasser le niveau maximum. Un excès d'huile peut entraîner la casse du moteur, il est donc essentiel de remplir votre carter par petites quantités et de vérifier le niveau entre chaque rajout. Un contrôle mensuel de votre niveau d'huile vous permettra de rouler sereinement et de détecter une éventuelle surconsommation engendrée par une fuite, une usure moteur, une huile trop vieille ou inadaptée. We'll be right back.